Chronoboule. Tu tapes la balle. Chronoboule. Il te la renvoie. Chronoboule. Qu'y a-t-il de plus drôle? De jouer à Chronoboule. Avec une boule. Chronocouille. Chronocouille. Tu frappes la boule. Chronocouille. Il te la remboule. Il te la remboule, mais what the fuck. Mais oui, il te la remboule. Qu'est-ce qu'il y a plus drôle? De jouer avec des couilles. Oups. Whoopsie. Oui, je pense. Oh. Hey, Ad. Oui. Okay. Défi de la montagne. Hey, je sais pas toi, mais moi, je suis recouvert de bleu pour montrer que j'ai le bouclier d'actif. Oui, mais ça, c'était avant. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si, tu pourras demander à Turtle, à Mimos, quand t'avais le bouclier, t'étais de bleu vêtu. Non. Tu n'avais pas de bleu autour de toi. Ah si, si, je te le dis. On parie ? C'était avant. Ah bah, c'était avant. J'ai encore les rushs. Je suis sûr j'ai des rushs avec des boucliers. Oui, mais justement, on parie ? Moi, je veux des champipotes. Qu'est-ce qu'on pourrait parier ? Pas un truc sale, tu vois. Pas un truc sale ? Bah, moi, non, je parie à 200%. Faut rester dans le raisonnable, Exotite. Faut rester dans le raisonnable, t'es sûr ? Oui. Et faut pimenter un peu la vie active, Billy. Mais tiens, regarde, moi aussi j'ai tout du bleu vêtu là tout autour de moi. Oui, mais moi je te le dis que ça s'y était pas dans. Si, c'était avant. Mais on va parier. Tu dis ce que tu veux, c'était avant, c'était pas avant. On va parier. Je cherche encore ce que tu veux parier. Moi j'aurais bien parié 50 balles, mais il veut pas parier d'argent. 50 balles, nique ta mère. Ah, mais c'est le moment pour toi de te faire 50 balles. Ou c'est le moment pour moi d'en perdre. Mais ah t'es mais je suis sûr de moi. Tu es sûr de toi? Oui. Qu'est-ce que tu veux parier? Dis quelque chose, un jeu. Allez, on parie le prochain jeu pour des lives. C'est le perdant paye le jeu. Okay. Bah, dans ce cas-là, il y a un jeu que je voulais faire en live. Alors c'était lequel? Du coup, c'est Ultimate Chicken Horse. Ok, si tu veux. Bah le perdant achète, devra payer le jeu à l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un coffre soin. Ça y avait pas. Mais moi, j'en suis sûr à 100%. Moi, je te dis que le bouclier, on l'avait avant. C'est obligé, il y était avant. Je m'en souviens très clairement. On verra. Assume ta défaite. Là, c'est... Parce que moi, je... Eh, devine ce que je viens de trouver. Qu'est-ce que tu viens de trouver? Des champleurs? J'allais dire mieux, mais non, en fait. Oh. Bah alors c'est quoi? Deux secondes, laisse-moi le temps d'arriver. Ah oui? Tada! Je suis en fou. 12 seconds later. Et du coup, qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai activé l'hôtel de la montagne. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Exotite, tape la balle. Exotite, il te les brisera. Exotite. J'arrive. Esquive! C'est bon. Putain, cette référence obscure des ténèbres, quoi. Je suis en train de me faire aspirer. Je me fais pomper. Aïe. Exotique s'est fait démolir. Mais ouais, je suis deg. Qui est passé sous le bureau pour se faire pomper comme ça? Les boss. J'ai envoyé un MP à Mimos, écoute. Putain, le mec, tu peux pas les vérifier directement, je sais pas, sur YouTube ou... J'en sais rien. Bah, Mimos connaît la réponse, il dira oui comme moi en fait. Non, moi je peux pas faire confiance à ça, monsieur Tite. Parce que tu peux l'influencer comme ça. Absolument pas. Je vous connais. Demande à Ulim aussi. Tu verras. Il y a aussi un boss. Ouais, mais c'est un truc de démon là, c'est un enculé. Un enculé, un pouli. Est-ce que c'est un enculé? Il a déjà démoli mes tourelles, cet enculé. Ah bah généralement c'est ce qu'ils attaquent en premier les gros boss comme ça. Kai. Exotique qui fait le petit chien. Putain, y'a du monde par chez moi. Y'a du monde? J'ai activé un hôtel de combat donc c'est possible. Et je me suis barré comme un chouïte. Oh mais fils de... C'est peut-être pour ça que j'ai autant de monde vers chez moi en fait. Peut-être.
Putain, si ça continue, je vais crever, hein. Mais non, va te mettre un peu loin, j'arrive. Non mais c'est bon. Le sauveur arrive. Je sais très bien gérer tout seul, j'ai fini. Oh. T'es juste un gros con, en fait. Oui. Wow, 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 j'avais pas vu ma vie. Bah ouais, faut faire gaffe. T'es sérieux d'ouvrir le coffre auquel j'économise, là? Ah bon? Je sais pas, moi je passe, ouais. T'as des petits fils de catin là, tu sais, qui se cachent dans le sol, là, qui nous bombardent. Ouais, ouais. Oh, je les aime pas, ceux-là. Bah, c'est les plus fourbes. Bon, du coup, tu prends pas le coffre utilitaire à côté de toi? Je peux pas! Mec, d'accord. Je suis submergé d'ennemis! Help! Voilà. Faut que j'arrive, hein. Mais t'avais dit qu'il y avait un autre gros coffre! Normalement, ouais, t'avais pas un gros coffre. Mais le coffre, tu l'as pris! Tu l'as pris devant ma gueule! Mais non, ça c'était un coffre de dégâts! Mais non, c'est un gros coffre! Non! C'était un coffre de dégâts, ça avait rien à voir, j'ai eu les. Dedans, j'ai eu les putains de feux d'artifice! Et du coup, il est où le gros coffre? Normalement, il devrait pas être bien loin. Parce que c'est toi qui l'avais vu. Bah non, c'est le coffre que t'as ouvert, du coup c'était un coffre de dégâts, bon, on va mettre sa merde. Il y avait de la merde dedans. Mais il est là le gros coffre, qu'est-ce que tu me racontes? Putain, l'autre, il est où le gros coffre? T'es où? Dans ses yeux. Bah disons, c'est pas le gros coffre ça. C'est pas si, mais je pensais que tu parlais à un coffre d'or, moi. Aïe, 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 aïe. Il y a des coffres d'or. Mais tu te fous de ma gueule? Tu veux le coffre d'or? Il est là. Tagle moi s'il te plaît. Il est toujours au même endroit le coffre d'or, hein. Dame Dame Déo, attends, jetpack, tu sais, oui, c'est. Oui, je sais, tu sais, je sais lire. D'ailleurs, Mimos, j'ai pas pu voir ta réponse encore, mais est-ce que tu peux répondre là? Putain, le mec, il veut absolument. Par rapport au bouclier. Putain, c'est. Le bouclier, c'est le contour infâme. Bleu du bouclier, c'était bien avant la mage. Oui, voilà. Tu me. Non, mais jeu. Moi, Exotide, je m'en bats les couilles, j'irai voir après, hein. Va voir après si tu veux, hein. The Thrillers, The Thrillers VOD, mais moi je veux une preuve à l'appui. Des propos, ça n'existe pas pour moi. Ce n'est pas une preuve. Mais la preuve, elle est là, je te le dis. Alors, un roguelike sous-côté. Hop. Eh ben, je suis en regret, Exotide, de te dire que tu avais raison. Voilà, merci, hein. Putain, c'est pas croyable de voir ça, tu me dois un jeu. Il a pas voulu prendre les 50 balles, hein. Et puis dis donc, pourquoi ce sera à moi d'acheter le jeu, hein? C'est moi qui ai acheté Golf With Your Friend. Eh, hey, on a parié, mec. On a parié. Nick t'as pas voulu me croire? Bah Nick, écoute, Nick, voilà. Nick, bien ta race. C'est ta mais faute, tu c'est sais ta pourquoi faute. Je le voyais pas? Parce que je vois l'ingénieur. Et alors, l'ingénieur, tu le vois, hein? Ce mec, ça se voit pas, il est bleu. Bah, moi, je le vois. Je vais me reconnecter avec voilà. The Thriller. Donc, j'avais raison. Pourquoi tu me parles encore, toi, Nick Taras? Je veux dire que j'avais raison. Thank you.